amène l'excès de table. Alléluia. Amen. Un homme malade a toujours des excès de table. Själen som är sjuk har överdriva saker i sig. Amen. Il veut beaucoup manger. Den vill äta. Vous pouvez rire, mais c'est la vérité. Ni kan skratta, mais un malade veut toujours manger, manger, manger. Äta. Même quand il sent que là, je suis déjà rassasié, mais il veut toujours continuer, continuer. Mais vill fortsätta äta och äta. Vous pouvez rire. Ni kan skratta. Mais si cela vous est arrivé, vous avez besoin que Dieu guérisse votre âme. So behöver ni att Gud ska bota er. Alléluia. Oui, parfois nous pouvons dire des choses et vous pensez que cela est normal, cela n'est pas normal. Ibland kan vi se saker och tro att det är normala, men det är inte normalt. Alléluia, les excès de table. Att äta överdrivet. Amen. Même pour le marié. Även för de gifta. Une âme est malade. En man som är sjuk. C'est une âme qui veut toujours aller au-delà de ce qu'il peut avoir comme satisfaction. Själen som är sjuk är själ som vi har mer än tillfredsställelse. Amen. Et cette âme a besoin de la guérison. Och själen behöver bli botad. Amen. Une âme malade. Själ som är sjuk. C'est une âme plein de soucis. Det är själ som har bekymmer. Amen. Je pense que vous avez déjà vu. Il y a des gens. Det finns folk. Qui se soucient toujours. Som bekymrar sig. Même quand alltid. Ils ont tout. Även om de har ils ont toujours des soucis. De et parfois, bara. Vous qui manquez ce qu'ils ont, ni som saknar det de har, vous vous dites, mais cette personne, ni frågar, mais den här personen, si on les regarde, on me regarde. Om man ser på honom, om man ser på mig, c'est moi qui devais me faire des soucis. Det är jag som borde bekymra mais mig. Pourquoi cette personne continue à se faire des soucis? Mais varför bekymra sig den alors personen, qu'il n'a pas raison de se faire des soucis. Fast den har ingen anledning une telle âme et son själ est dans la prison. Et il a besoin d'être guéri et délivré. Amen. Une âme qui ne pardonne pas. Alléluia. C'est une âme, quand vous avez un problème avec cette âme, sachez qu'il ne pardonnera pas. Ni måste veta den kommer inte förlåta er. Même quand vous humiliez et demandez pardon n'importe comment. Ni knäböjer hur många gånger som helst. C'est une âme qui ne reçoit jamais le pardon. Och den förlåtelse, den tar aldrig emot förlåtelse. C'est une âme qui ne pardonne jamais. Den förlåter aldrig. Et si vous avez une telle âme. Och om ni har en sån själ. Sachez que si vous ne pardonnez pas ni aux autres. Ni måste veta om ni inte förlåter votre Dieu là au ciel. Et Gud i himlen. Il vous pardonnera non plus. Kommer aldrig förlåta dig. Il dit pardonnez-nous nos offenses. Bibeln säger comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Amen. Et si vous pardonnez et toujours vous avez des rancunes après avoir pardonné, sache que votre âme a des problèmes. Cette âme a besoin d'être délivrée. Pourquoi? Parce que quand Dieu nous pardonne, il n'a jamais de rancune avec nous. Han har ingenting emot oss. Il y a des gens qui ont tué, il y a des gens qui ont volé, il y a des gens qui ont commettre tous les péchés du monde. Det finns folk som har syndat, som har dödat, som har gjort allt möjligt. Mais quand nous nous repentons devant le Seigneur, men när vi ber om Guds förlåtelse, nous demandons pardon. Vi ber Guds förlåtelse. La Bible déclare, Bibeln säger, notre Dieu, vår Gud, nous pardonne. Förlåter oss. Amen. Et quand il nous pardonne, on a förlåter oss. Même si demain nous commettons encore un autre péché, även om vi syndar igen imorgon, nous venons encore pour demander pardon à l'Éternel. Dieu ne nous rappelle pas le péché que nous avons confessé hier. Gud kommer inte påminna oss synder som mais qu'est-ce que Dieu fait? Mais vad gör Gud? Dieu nous pardonne. Han förlåter oss. Comme si le péché que nous avons commis, som synder som vi har gjort, c'est le premier péché que nous avons commis depuis que nous existons. Alléluia. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous pardonner les uns les autres. Si nous ne le faisons pas de la manière dont Dieu le veut, Dieu non plus ne nous pardonnera pas. Il y a beaucoup de choses à parler concernant cette âme malade. Je vais citer vite, vite, parce que nous devons terminer. Amen. Une âme malade, c'est une âme qui juge toujours les autres. C'est une âme qui condamne les autres. C'est une âme orgueilleuse et qui ne s'humilie jamais.
Den ber aldrig om nåd. C'est une âme qui croit connaître tout. Den tror att den kan allting. C'est une âme pleine de confusion. Den har mycket förvirring i sig. C'est une âme qui cause toujours des confusions, même dans le groupe. Den gör så att förvirring uppstår i gruppen. Amen. C'est une âme qui se sent toujours en insécurité. Den känner sig osäkrad. Amen. Même quand